temps coule sur les sentiers ombragés. Les bâtiments de style occidental conservent les histoires du passé. Les sonneries du tramway réveillent l'enfance de Tianjin. Des groupes de bénévoles cherchent les souvenirs de la ville. Avec la réouverture de ce pont, notre documentaire vous montrera des espaces culturels extraordinaires. Pour Chu Mingche, une maquette de tramway n'est pas moins compliquée qu'une maquette de bateau. En 4 jours, Ko Yong-sin et son maître ont fabriqué la maquette d'un tramway vieux de 100 ans. En 1906, le tramway angoissait les habitants de Tianjin. Les passagers avaient peur que le tramway les heurte. Les marchands avaient peur que le tramway affecte leur business. Les tireurs de pousse-pousse, qui se sentaient les plus menacés, avaient peur de perdre leur gagne-pain. Le tramway a rencontré une vive hostilité. Voici une annonce officielle de 1905 sur la mise en service du tramway conservé aux archives de Tianjin. Pourtant, l'annonce n'a pas su rassurer le public. Pour attirer les clients, la compagnie de tramway embaucha un groupe de musique et décora le tramway avec des drapeaux colorés pour faire de la publicité. Les habitants de Tianjin ont donc commencé à monter dans le tramway et ils furent surpris par sa commodité et sa rapidité. Un an plus tard, le tramway apparut à Shanghai et Beijing. Le tramway de Tianjin, avec le tarif le plus bas, attirait le plus de voyageurs et est devenu le moyen de transport urbain le plus important de Tianjin. Le tramway reliait la vieille ville et les concessions. La vitesse raccourcissait la distance. Le tramway animait les zones où il passait. Au croisement des 6 lignes marquées de couleurs différentes, des centres commerciaux se sont formés. Cette disposition reste inchangée de nos jours. En 2006, 100 ans après sa première apparition à Tianjin, le tramway est réapparu en ville. Ces dernières années, la reconstruction des tramways est à la mode en Europe. Paris a réouvert ses lignes de tramway. L'écologie a fait revenir le tramway auprès du public. Les rails relient les diverses zones urbaines. Les ponts relient les deux rives de la rivière Haihe. Pour faire passer les bateaux commerciaux,
Tianjin a construit 6 ponts mobiles, le plus grand nombre en Chine. Construit en 3 ans, avec 1,9 million de tels d'argent, le pont international fut le dernier pont mobile sur la rivière Aire, aussi le plus coûteux. 17 entreprises internationales répondirent à l'appel d'offres et 31 plans furent proposés. Au final, le plan d'une entreprise américaine fut choisi et les travaux furent confiés à une entreprise française. Chaque jour, le pont s'élevait 4 fois pour laisser passer les bateaux commerciaux et quand les deux tabliers étaient joints, les véhicules pouvaient circuler dessus. Le pont international est devenu le centre de transport de Tianjin. Mais tout s'est arrêté en 1972. Depuis, délabré par le temps, le pont ne s'est plus levé. Han Zhenyong, 49 ans, a participé à la conception et la construction d'une centaine de ponts. Mais celui qu'il apprécie le plus est le pont international construit en 1927。这个桥的这种开启体系啊，非常非常复杂。它是一种活动轴的开启体系。刚才看见了吗？这个是一个大的弧形的梁，然后这是一个齿座梁，开启的时候和上一个大齿轮，但是上头有好多小齿轮。整个这套系统就像那个走表一样，大齿轮套小齿轮互相带的。而且呢，这个桥有两套开启系统。 一套的用人开启，一套是电的开启系统。当时电力如果不行的话，用人工开启。看那边上那个四个小链条，那头四个，这头四个，就是8个链条，一面站8个人，16个人就可以把这个桥拽起来。这个活的话。 Cette fois, Han Zhenyong a pour mission de réparer ce vieux pont. Or, concernant ce pont construit avec d'excellentes techniques, les dossiers sont très rares. Han Zhenyong doit tout recommencer. Il a passé 2 ans rien que pour faire l'examen médical de ce pont. Trouver le centre de gravité du pont lorsqu'il se lève est la plus grande difficulté pour Han Zhenyong et son équipe. 找这个重心的时候呢，很麻烦。我们都是在晚上进行，用不同的测试方法，开启一个角度测一次，开启一个角度测一次，找住它的重心的一个轨迹，然后跟那个轴的这重心，再和后头压重块的重心，在一个直线上的时候，给它一点点的力，它就自动能够开启。这是这个桥的关键。Han Zhenyong garde un grand respect pour ce pont. Il a du mal à imaginer comment on a achevé ce projet il y a presque 100 ans, avec des conditions limitées. Fang Bo éprouve lui aussi un grand respect pour le pont international. Ce jeune bénévole de l'équipe Mémoire de Tianjin est venu maintes fois sur ce pont. Il photographie son évolution et cherche dans les archives les détails historiques.在天津的一种说法，说万国桥的设计师是埃菲尔，可能是老百姓从万国桥的外观上觉得和这个埃菲尔铁塔很像，所以就想当然的有了这么一个认识。不过，从万国桥建成第二天的报道中，我们就能查到，当时对桥梁的设计师有明文的记载，他的名字叫法国工学博士白璧。 这些老报纸为我们多年来对万国桥的一个疑问找出了答案。 Peut-être que pour cet architecte français, vu sous un autre angle, ce pont était comme une tour Eiffel traversant la rivière Aire. En novembre 2006, après 3 ans de réparation, le pont s'est levé de nouveau. Fang Bo et d'autres habitants de Tianjin ont été témoins de sa renaissance ainsi que du recommencement d'une histoire.
sur cette carte des concessions, le quartier près du pont était l'ancienne concession italienne. À 10h du matin, la pâtisserie ouvre sa porte. Marie-Lou commence sa journée de travail. À son arrivée à Tianjin il y a 6 ans, cette Italienne s'était prise de la ville. Elle a visité beaucoup de villes chinoises, mais c'est à Tianjin qu'elle a trouvé pour la première fois des paysages semblables à ceux de son pays natal. Marie-Lou a donc décidé de rester. Ce quartier exotique était l'ancienne concession italienne. En se promenant ici, on a l'impression d'être à l'étranger. Le jour ou le soir, ce quartier est toujours plein de charme. Qui a transplanté à Tianjin un bourg italien ? En 1902, le capitaine Vincenzo Filetti, qui était venu à Tianjin avec l'armée italienne, a pris en charge la planification de la concession italienne. Comme leur terrain était plus bas que toutes les autres concessions, il fallait de grands investissements. Sans expérience ni fonds, Filetti désirait pourtant faire un essai. Il attira les investisseurs par la baisse des impôts fonciers et des taxes de propriété immobilière et s'est mis à réaliser sa conception. Ces images précieuses documentent 30 ans d'évolution de la concession italienne. Le long des rues entrecroisées, on trouve des architectures englobant presque tous les styles italiens de différentes époques. Les arches, les voûtes, les tourelles, les villas et les colonnes en marbre constituent ensemble un espace architectural de style méditerranéen authentique. C'est comme si une main invisible a posé à Tianjin une partie d'une magnifique ville occidentale et du aujourd'hui, ce quartier garde et son charme originel. Particulier, le Fiti enflammait le immobilier de Tianjin dans le sud de la ville. Cette zone supplémentaire de la concession britannique, d'une superficie de 270 hectares, commença à être planifiée en 1916 et sa partie sud allait devenir la zone des 5 avenues actuelles, qui relie l'Est et l'Ouest comme une grande main invisible. Un matin, en plein été, Xianbin et ses camarades viennent visiter la zone des 5 avenues. Le vieux résident local, Zhu Zhuyuan, leur sert de guide. Xianbin étudie la conception artistique à l'université de Nankai. Arrivé du Jiangsu il y a 3 ans, il fut ébloui par les 5 avenues au premier regard. Il est difficile d'imaginer qu'une centaine d'années plus tôt, ce quartier calme était un marais. Que s'est-il passé au cours du temps? À 45 km du centre-ville de Tianjin,
Des travaux de remblaiement sont en cours dans la zone portuaire de Dongjiang. Cette technique moderne est utilisée à Tianjin depuis déjà un siècle. Les vieilles photos documentent les travaux de remblaiement qui consistaient à aspirer la boue à l'époque à Tianjin. Les bourbes de la rivière Haire étaient pompées à travers de longs tubes à chaque concession. En 2013, sur un chantier des 5 avenues, Wang Qian, chercheur à l'Institut des recherches géologiques et des ressources minérales de Tianjin, fait un prélèvement en vue d'une analyse de la structure des couches de sol. Autrefois, bancs de sable et zones vaseuses désertes, les 5 avenues sont-elles aussi un produit du remblaiement ? Wang Qian veut trouver la réponse. Les 5 avenues étaient les œuvres ultimes de la construction des concessions. Leur concepteur se nomme Anderson, diplômé en architecture à l'Université d'Édimbourg au Royaume-Uni. Aujourd'hui, on ne trouve plus d'archives photographiques sur lui, mais ces deux lycées qu'il a conçus nous font découvrir les traces laissées par Anderson à cette époque pleine d'imagination. L'idée d'Anderson était de construire un quartier ensoleillé, artistique et confortable. Pour que les maisons profitent au mieux du soleil, il a redéfini la position du quartier et la direction des rues. Anderson exigeait que le coût de chacune de ces maisons de style européen ne puisse pas être inférieur à 3000 taels d'argent. À l'époque, avec le même prix, on pouvait acheter 15 cours carrés dans la vieille ville. Pour garantir l'espace intérieur de la maison, il a établi des règles strictes, même pour la surface du salon et la hauteur des chambres. Les espèces d'arbres à planter et leur disposition ont aussi fait l'objet de planifications détaillées. L'élégance et la délicatesse des 5 avenues n'attiraient pas que les étrangers. De hauts fonctionnaires et nobles chinois considéraient l'endroit comme l'emplacement idéal pour leur résidence. Cette tendance angoissait les Occidentaux. So at the British Municipal Council, there was a meeting, and one British man stood up and he said, the foreign middle class cannot afford to live in Tianjin, in the British concession, with all of these wealthy Chinese people. So the interesting thing to keep in mind is that many of the foreigners in Tianjin felt very intimidated and very squeezed out by the large number of wealthy who were moving into the concessions. Beaucoup de maisons de luxe achetées par des grands personnages sont devenues patrimoine historique. L'équipe Mémoire de Tianjin a photographié la façade de la plupart d'entre elles. Mais à l'intérieur, il existe d'autres merveilles. Le propriétaire de cette résidence était Zhang Xueming, frère de Zhang Xueliang. En tant qu'ancien directeur de la police de Tianjin, il a habité dans cette maison pendant 30 ans. Gao Yongping a participé à la réparation des anciennes résidences. Comme beaucoup d'autres architectures des 5 avenues, ceux de construction venaient de l'étranger. Ces portes vitrées du salon sont les plus impressionnantes. C'est
Outre ces portes coulissantes, de haut en bas, les fenêtres sont aussi très particulières. Les cinq avenues ont été construites à l'âge d'or de l'histoire de l'architecture mondiale, d'où sont nés beaucoup de chefs-d'œuvre monumentaux. La civilisation matérielle et l'urbanisation accélérée donnaient aux architectes un vaste espace de création. Quand l'architecte Ralph Gehling est arrivé à Tianjin en 1922, la ville était plongée dans un carnaval d'art architectural. En 2005, Franz Gehling, 79 ans, est revenu à Tianjin avec sa fille. Son père a conçu une centaine d'architectures à Tianjin, dont 19 sont encore conservées aujourd'hui. My father was a very hard worker. He would easily put in 12-hour days as a normal routine. He was known within the community as being very competent in developing new projects. They were telling me, "Lao Ye de Nao Jin Da." Franz Gehling est né à Tianjin. Il se souvient que son père était très occupé. Il arrivait qu'il conçoive trois bâtiments simultanément. Chaque bâtiment avait ses propres caractéristiques, mais pouvait aussi bien s'intégrer dans le quartier. La vague de construction dans les cinq avenues ont donné au vieux Gehling et d'autres architectes étrangers l'opportunité de développer leurs talents. Grâce à ces diverses architectures, les cinq avenues ont eu un nouveau dynamisme et la ville de Tianjin est devenue plus poétique. Le temps évolue. Les vieilles maisons ont rencontré leurs nouveaux propriétaires. Zhu Zhuyuan habite ici depuis plus de 60 ans. Il a un nom anglais, Paul. Après sa retraite, par le biais d'Internet, Zhu Zhuyuan diffuse les histoires des cinq avenues au loin. Internet a fait rencontrer Zhu Zhuyuan et Xiang Bin. Celui-ci veut organiser une exposition de peinture pour les cinq avenues. Ses professeurs et camarades participent aussi à la visite du quartier. Les 2000 architectures des cinq avenues sont généralement bien conservées. Elles ont vu l'évolution de la zone et laissé beaucoup d'histoire. Xiang Bin et ses camarades sentent les vicissitudes et la profondeur de la ville. Ils enregistrent avec les pinceaux son éclat et sa gloire d'antan. Les impressions se sont transformées en traits et couleurs. Les plantes, les briques et les pierres sont entrées dans les peintures. Quel que soit leur style, ils décrivent les cinq avenues du fond de leur cœur.
聊到建筑给我带来感触的就是这种岁月感，我们都想通过我们自己的方式表现出来，让游客能看得到那维拉的建筑不仅仅是它表面的这些建筑形式，也在于岁月带给它的这种痕迹，还有背后的这些故事，这些也是我们想表达的。100 ans plus tard, les concessions étrangères de Tianjin sont déjà des histoires du passé. Mais les 5 avenues gardent encore des souvenirs précieux. La plupart des vieilles maisons ont changé de propriétaire. Or, la disposition de ce quartier reste toujours la même. Si les vestiges vifs des 5 avenues illustrent le passé, ils promettent davantage un avenir plein d'espoir. Après une longue préparation, l'équipe Mémoire de Tianjin a enfin mis en ligne son site internet. Marilou continue de raconter aux touristes les histoires entre l'Italie et Tianjin. Fang Bo va bientôt publier son livre sur le pont international. Zhu Zhuyuan continue de guider les touristes sur les 5 avenues pour découvrir plus d'histoires. Han Janyong travaille toujours pour les ponts sur la rivière Haire. Au bout de 2 ans de réparation, le pont Dintan a ouvert de nouveau 30 ans après sa fermeture. Les étudiants ont réalisé leur rêve d'organiser une exposition de peinture sur les 5 avenues. Les paysages du passé sont réapparus dans la vision du public et ont ranimé leur mémoire. Le charme spécial de la ville mélange la mode et la tradition. 100 ans d'histoire de cette ville exceptionnelle sont comme un fleuve ancien coulant sans arrêt. De génération en génération, la légende continue de s'écrire. Cette richesse culturelle, transformée en un caractère humain, nourrit la ville de Tianjin. C'est la miniature de la Chine depuis un siècle. C'est une ville de rêve et d'espoir.